Messieurs, dames, bonsoir. Je tiens, c'est vendredi 15 juillet 2022. Bon week-end. Bienvenue dans la dernière sortie. Information pour semaine dans son métropole. Président comité permanent l'église épiscopale d'Haïti a affirmé document qui t'a voulu fait quoi. L'église là n'a fait jamais entrer dans le pays à faux. Père Viljean Madoché rappelé, il n'y a pas placé aucune commande dernier temps ça. Directeur général douanier, Julesen Edouard, confirmé, il a découvert des armes, munitions mélangées avec effets personnels dans un conteneur qui entrait en franchise et documents sous nom l'église épiscopale d'Haïti. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, la gué mandat d'amener d'ailleurs directeur adjoint affaires judiciaires ministère de la justice pour forfaiti, monde qui pas loyal, conquisition, monde comme quoi qui prend l'argent battable, association malfaite. Fritz Obou t'a passé ancien chef paquet pour de paix à l'ordre. Michel Virgile pour libérer des trafiquants d'armes. Problème gaz là pour résoudre. Porte plusieurs pompes ont été fermées. Une autre fois encore, journée vendredi 15 juillet 2022, c'est toujours un bas gros gourmet pour que quelqu'un arrive à faire gaz dans quelques pompes qui recommencent à fonctionner. Pendant ce temps, le ministère commerce et industrie rappelé, il est formellement interdit pour vendre, pour acheter gaz dans bidon. Dans un communiqué qui portait date 14 juillet 2022, le ministère a menacé fermer toutes les stations qui n'ont pas respecté disposition ça. Journée intention dans Vilokay jeudi vendredi 15 juillet à côté dans cadre de plusieurs manifestations population a tapé exigé pour gain gaz dans pompio pour la vie chère baisser pour problème sécurité à Kaba. Damien Fon, encore bonsoir, bon week-end, bienvenue dans la dernière sortie d'information pour semaine dans la métropole. Nouvelle yo, dans la minute que vous avez parlé là, agent douanier, responsable de la douane, gagné tout, autorité, la justice, qui là qui sous place, côté Abra poursuivre avec fouille, conteneur, qui vini sous nom l'église épiscopale d'Haïti, collaborateur non, Rodolphe Pierre-Louis sous place. Rodolphe, bonsoir. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Effectivement, dans le moment où on a parlé là, c'est une vérification qui commence depuis le matin. Et il y a plusieurs institutions eux-mêmes qui mettent tête ensemble. Il y a BLTS, il y a agent Boy qui là. Il y a autorité judiciaire, nous remarquons présence CSPJ. Il y a un commissaire principal, là, Jacques Lafontaine, qui était présent, mais aujourd'hui, il y a un substitut commissaire lui-même qui est présent. Et puis, il y a 10 autres jeunes garçons, eux-mêmes qui sont des débadeurs, qui mandatés par douane Port-au-Prince pour capable faire un travail de vérification. Ça fouille ça dans le conteneur, ça dans le moment où on a parlé là. Depuis le matin, ces boîtes qui ont été débourrées, fan boîte, mettez-les à terre, regardez qui s'en est derrière, chaque petit bagaille, chaque petite boîte, même une boîte à limettes qui gagne. En de gros boîtes ça yo ouvèl pour capable boire qui ça candal parce que y a cherché pour connait est-ce que gagne zam illégal, est-ce que gagne cartouche illégal nan et conteneur ça yo. Donc c'est ça qui expliquer travail de vérification ça qu'a fait nan moment nou a parlé là la poursuivre. Hier il était commencé depuis matin et il était terminé bloc 7h moins et jusqu'à présent nan moment nou a parlé là nous pas qu'à dire à qui l'œil a fini seulement travail là, il y a continué. Eh bien, qui ça fouille a révélé Rodolphe? Fouille yo, eh bien, il était révélé gagné plusieurs fusils que yo te joine, gagné environ 12 000 cartouches que yo te joine et gagné et l'autre pistolet que yo te joine tout dans fouille qui t'a fait hier là, mais pour aujourd'hui en un moment on a parlé là depuis matin jusqu'à présent pour qu'on gagné et ni zam ni cartouche qui joignent, mais l'a continué nous pas qu'on est dans le cap vini. Est-ce que y a joignent nous pas qu'on est tout, est-ce que lundi y a joignent parce que selon agent douanier yo, inspecteur douanier yo, même yo fait nous connaît que lundi encore a gagné même travail de vérification ça cap continuer nous pas qu'on est dans le cap vini aussi y a joignent mais
et dans le moment où on parle là, il y a beaucoup de joindre ni ZAM ni cartouches comparativement à hier, côté que il y a des joindre environ 12 000 cartouches. Donc, ça, c'est un deuxième dans trois conteneurs, Rudolf? Oui, oui, justement, selon ça que il a fait nous comprendre. Alors, il y a un inspecteur lui-même qui expliquait nous que problème ça, il n'est pas posé seulement pour l'église épiscopale, il est posé pour un paquet de bonnes autres institutions. Et le lab fait nous comprendre, c'est que gagner des institutions dans le pays, hein, et côté que il y a gagné franchise. Et il y a même, pour capable d'intérêt par eux, il y a 20 franchises là, soit à des particuliers, soit à des institutions. Et là, il y a aussi une 20 franchises là, il n'y a pas tenu compte de particulier ça ou bien institution ça qui ça l'a commandé, yo même ça pas concerné yo. Et puis voilà que la commande qui a fait yo dans ça qui a rentré dans pays, comme yo pas gagné sous yo, ça vient faire que qu'on y a les conteneurs ça yo rentré sous non yo, yo pas rentré sous non particulier ya, ça vient poser problème qui fait que, et c'est pas seulement l'église épiscopale, son travail qui a continué. Et pour l'autre conteneur, un paquet l'autre institution que, selon sa inspecteur a fait nous comprendre, douane n'a pas arrivé sous yo, surtout des institutions yo même qui gagnent franchise et qui amusent yo à vendre franchise yo à des particuliers. Merci, Rudolf. Donc, deuxième conteneur à l'app fouillé et jusqu'à présent, rien pour qu'on joigne la donne. Mais hier, il y a au moins 19 armes automatiques qui ont été jointes, d'après commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, nous voilà écouter. 19 armes automatiques, au moins 6 armes de poing, il y en 12, il y en armes de calibre 12, et puis avec 120 chargeurs de plusieurs armes. Et puis nous avons presque 20 000 cartouches de calibre différents. Mais on a précisé pour nous, dans 19 armes automatiques là, nous gagnons au moins 6 qui c'est de gros, gros, gros calibre AK-47 qui tire balle 7,62. Voilà. Ah. Là, un bilan partiel. Qui ça nous était pour nous faire? Gain l'autre conteneur pour nous fouiller, information ou ben nous qui ça? Gain au moins deux autres conteneurs à vérifier. Et conteneur ça, il appartenait à même monde? Même monde, l'église épiscopale d'Haïti. Il s'agissait en fait de trois conteneurs, gain une que nous fouillons déjà, et gain deux autres. Gain une seule que nous fouillons déjà. Et gain deux autres pour nous fouiller. Oui. L'église quelque part dit, il n'est pas impliqué dans ça, il n'est pas connu monde. Est-ce que gain jusqu'à présent, preuve hors de tout doute que bah, ça a eu pour l'église épiscopale, disons. Écoutez, Descartes disait, l'évidence est indiscutable, d'accord? Ce qui est évident et qui paraît sous yeux nous, dans le manifestat notamment, c'est que nous, ouais, ce conteneur, en tout cas, ça nous vérifie déjà, le seul que nous avons déjà vérifié, il était destiné à l'église épiscopale d'Aïe. Maintenant, c'est à nous connaître comme fait, comme ça qui est réel, qui concret. Maintenant, on ne peut pas discuter l'évidence. Ça, c'est une évidence. C'est l'avocat que l'Église a dit. C'est pas lui-même, ça fait lui connaître. Mais moins ça, moins lui dit. Est-ce que vous entrez en contact déjà avec le responsable de l'Église qui est pour confronter l'information qu'on rejoigne avec Paio? Par exemple, quand on travaille, je ne suis pas capable de poser acte contre vous. Pour nous répondre de ça qui est écoutable. Par exemple, quand on travaille. Moun ça, que nous arrêtons, est-ce que vous dites qu'il y a un lien avec l'Église épiscopale? Ça, c'est de CBJ qui a prétendu. Et que après l'audition, on a compris exactement. Qui l'a fouillé l'autre conteneur de l'autre, Jodia? On a fouillé là incessamment. Est-ce qu'il y a l'autre information, l'autre bagaille nous joigne dans la douane, non? Nous ne pouvons pas rejoindre l'autre bagaille, nous que Sam nous l'a, Jodia. Oui, nous ne pouvons pas rejoindre l'autre information, nous ne pouvons pas rejoindre. T'as pas écouté, commissaire gouvernement de Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine. Monseigneur Roger Beauvoir regrette, je ne vous dis à la prenne, on y a fait un mélange entre lui-même avec l'église épiscopale, sous prétexte comme quoi lui-même est membre du comité médiation. Pendant qu'il était quoi que l'église allait victime en bas même malfaiteur qui détournait franchise lui, il demandait pour la justice capable de faire travailler pour découvrir monde qui coupable tout bon vrai. Monseigneur Beauvoir rappelé, lui à la retraite depuis quelques années, et lui-même, je ne veux dire là, par contre, personne qui est le Gina Walls, il a dit ses secrétaires, mais d'après Monseigneur Beauvoir, c'est à bouquer l'église épiscopale. Moi, pas voix autorisée officiellement pour réagir pour l'église épiscopale. Moi, qui autorise, c'est Père Jean-Madocheville avec Père Samuel Saint-Louis comme membre comité permanent et puis Père Franz Kohl qui est secrétaire exécutif. C'est mon temps qui voit autorisé. Moi, réagis, c'est parce que bon amalgame qu'a fait. Dans un premier temps, moi, je dis que je me condamne à toute force, moi, avec véhémence, ça qui passait là. Importation, ça, ma munition,
par moun qui a utilisé franchise que l'État haïtien par l'exécutif dans cadre œuvre sociale que l'a fait. Ça, c'est à déplorer, c'est à condamner. Et moi, espérer que les autorités de l'État et membres du comité permanent qui a dirigé l'exécutif aujourd'hui, ils ont allé au fond de cette question pour découvrir les vrais coupables. Parce que je dis à la, si l'Église va entrer dans l'importation d'âme, ce soit la fin du monde. L'Église rôle, c'est protéger l'âme, mais ce n'est pas aider à détruire la vie. Donc, de toute évidence, nous, c'est en utilisation malhonnête que des individus mal intentionnés font de leur courtoisie, leur privilège que l'État baille l'Église. C'est la toute faute, et moi, je crois que la paix, il y a toujours une vérité. Moi, je vais profiter pour me dire tout. Monseigneur Auger Beauvoir est un épiscopalien. Mais c'est un évêque retraité de l'église épiscopale. Depuis 7 ans, moi, pas qu'on a rien dans la gestion ni l'administration de l'église épiscopale. C'est clair, ou amalgam qui a fait dehors, moi, pas chef de l'église épiscopale, moi, c'est un évêque retraité. Ça que va administrer dans l'église, là, c'est sacrement, moi, pas dans la gestion de l'église. Monseigneur, est-ce que tu as dit nous que c'est cas possible effectivement que l'Église est impliquée dans la question et que ou même ou pas au courant ou bien ou seulement des douanes têtes ou? Moi pas dit l'Église impliquée. Moi dit qu'il y a une utilisation malhonnête qui fait de franchise que l'État baille l'Église. En aucun temps l'Église dans sa sanité d'esprit n'a pas impliqué dans ça. Monseigneur Beauvoir, nous avons des entêtes de l'église épiscopale, nous avons des sceaux, tout ça qui t'a traduit authenticité ou encore véracité, fait qui rapporté. Hein. Et nous avons même la justice qui a prononcé sur cette question. Le commissaire gouvernement dit que c'est à l'église qu'ils ont destiné, selon le manifeste. L'évidence, si papier en tête, bien sûr, à ce bagage-là, encore moi-même, je n'ai pas qu'à répondre à une question ça. Une question qui doit être adressée au révérend Père Jean-Marc de Cheville, Père Samuel Saint-Louis et le Père Franz Kohl qui a géré l'église là jeudi. Moi, crois que c'est moi qui mal intentionné. L'église, dans l'esprit, pas bien impliqué dans ça. Maintenant, responsabilité, moi qui a géré, c'est collaborer avec l'État pour découvrir les vrais coupables. C'est responsabilité ça que trois personnes ont gagné. Aider l'État à découvrir les vrais coupables. Le faire, on ne peut pas le contester, le faire là. Chercher mon qui utilise le d'ordinaire, l'église épiscopale importait quel type de produit? Ce qui ça nous vient franchise nous-mêmes. C'est en l'MDLA, là, l'MDLA dans la gestion de l'église, là. C'est en passé. Nous devons importer, ça veut dire qu'il y a un partenaire pour manger pour nous, il y a un partenaire pour les médicaments pour nous, il y a un partenaire qui voulait barrer pour l'école handicapée que nous gagnons dans Saint-Vincent. Il y a un partenaire qui voit un instrument de musique pour l'école de musique Saint-Trinité. Il y a un partenaire qui voit toutes sortes de biens de première nécessité pour aider les pauvres. Ne pas importer des bagages pour vendre, ne pas voir autant importer des bagages pour détruire la vie. Monseigneur, nous avons contenu ça, après âme, cartouches, balles, etc., chargeurs trouvés. Quel est le type de produit que vous avez information que vous trouvez en dans conteneur ça? Moi, je n'ai aucune information. Depuis septembre, par contre, ça a passé dans la gestion de l'église épiscopale d'Haïti. Moi, j'ai fait amalgame, j'ai fait parce que moi, impliqué dans le comité de médiation, j'ai fait amalgame parce que moi, qui contre la paix, contre la réconciliation, j'ai mis le nom là-dedans. Par contre, ça là-dedans. Je ne suis pas au courant. Seul ça que m'administre dans l'église épiscopale d'Haïti, c'est les sacrements quand on m'invite à aller prêcher, célébrer quelque part. Mais je dis à l'église pour qu'on réunit autour de accusations, c'est là. Justement, pourquoi qu'on répond nous? Parce que moi-même, je ne fais pas partie de l'équipe dirigeante. Je suis un évêque retraité. Puisque je suis retraité et en termes de sacrement de l'ordre de l'ordination, eh bien, mission prend fin, l'homme mourit. Je suis canoniquement résident dans le diocèse d'Haïti. C'est l'âme célébrée, c'est l'âme prêchée. Et puis là, ça reste mes responsabilités. J'ai des responsabilités de l'ordre sacramentel. Mais administratif, moi, pas là. Par contre, je suis réunion déjà parce que quand je parle là, moi, je ne suis pas disponible pour. Je ne suis pas jamais en réunion depuis 7 ans. Les gens synodes, côté tout paix invité, tout paix qui est canoniquement résident, et fait canoniquement résident, invité, l'âme participe. Mais à, réunion administrative, non, non, on ne pas connaître. Peut-être encore, c'est trois paix que nous sommes capables capable de faire ça que après, on ne pas connaître. Toujours dans le cadre de dossier ZAM qui était importé sous nom l'église épiscopale, Père Viljean Madoche fait quoi? Document qui présentait qui a incriminé l'église épiscopale là, dans a fait importer ZAM illégal avec balle dans le pays ça, document ça est faux. Père a dit, il n'y a pas aucun rapport avec Gina Walls qui a non paraît tout document ça. Président comité permanent de l'église épiscopale d'Haïti a fait quoi tout? Pas aucun demande de franchise, il a fait
officiellement dernier jour ça yo. Père Viljean rappelé au cas où yon nan membre yo ta coupable ta servi avec non l'église pour importer zame faire rentrer dans pays d'Haïti, eh ben responsabilité a personnelle. Vraiment attristé et frappé par nouvelle ça que l'étendue que li gen conteneur qui gagne zame là dans la douane. D'abord on ouais document yo. Qui niveau de véracité ou de fausseté gen nan yo? Moi-même m'a toujours dit yo pas fiable. Parce que pour yota fiable, il faut que yota de signature de personnes autorisées. Et maintenant, pour nous capables de gagner un droit pour nous prendre un conteneur franchise au niveau de la douane, il faut que normalement, l'autorité ecclésiastique là, les produits demandent. Donc, nous n'avons pas produit aucune demande de ce genre à date, nous n'avons pas gagné aucun conteneur, nous n'avons pas de douane. Non. Donc, nous n'avons pas gagné aucun conteneur qui est en processus de dédouanement. Donc, pour nous-mêmes, il faut, et certaines qui parlent de faussaires, nous parlent de rumeurs. Mais toutefois, que la justice, c'est celui-là qui est placé pour dire vrai. Maintenant, si on vient avec lui, on peut nous tendre que la justice est capable de prouver effectivement ça qui fait que lui est vrai et qui monde qui est derrière, pour nous capables, mais pour nous-mêmes, il faut parce que nous pas connaît notre jambe placée demande, nous n'avons pas de commande dans le niveau de la douane. Qui rapport qui gagne entre l'Église et Mme Gina J.C. Walls? À ma connaissance, aucun rapport parce que Mme Ginassa n'a pas connaît. Oh, il a rapporté que c'est un secrétaire Mgr Beauvoir. Moi, pas capable de dire secrétaire Mgr Beauvoir parce que Mgr Beauvoir sont évêques démissionnaires. C'est un évêque épiscopalien, un évêque démissionnaire. Maintenant, s'il a travaillé pour lui, Mgr Beauvoir, pas évêque diocésain, pas évêque titulaire. Donc, il est secrétaire. C'est pas au niveau de l'église. Et moi-même, tout, moi, pas capable de dire secrétaire, parce que je par contre, madame, non, madame Gina, et même Jean tout, je par contre, qui moun qui était secrétaire de la qui institution ou pas. Il est clair que tout le monde connaît que Monseigneur Roger Beauvoir, tu travailles, tu es directeur, faut de pour. Mais moi-même, par contre, employé, madame Satou, je par contre, c'est la première fois que je t'ai non hier, je pas capable d'établir aucune relation. La douane, la justice, représentée par le commissaire du gouvernement, tout le monde sait paraître formel et même catégorique que Zamio, c'est pour l'Église que vous êtes. Ok, il y a un droit pour dire la vérité, d'après ça, il y a gagné. Maintenant, il n'est pas vrai pour vous, moi, il n'est pas vrai pour moi. Mais avec ces preuves qui doivent justifier ça. Étant donné que la justice est placée pour faire lumière, il est capable de dire. Effectivement, mais ça que le gain à sa connaissance. On y a maintenant beaucoup de panneaux. N'attend que enquête yo maintenant, pour joindre auteur, pour joindre mon yo, pour raquer yo, pour yo venir répondre la justice, répondre de forfait au fait. Et le ça pour nous, ça qui est clair pour l'église là, c'est que nous pas produit aucune demande, c'est que nous pas mandé exonération de taxes, nous pas voué mon al dédouaner conteneur, nous pas gain conteneur, nous attend tout dans niveau la douane. Donc, laisse arriver nous étonner, nous choquer. Parce que nous pas qu'on est nos gagnants produits à la douane. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des monde qui fait des commandes et qui c'est lorsque marchandises produits arrivent en Haïti que fait l'église cadeau yo? Pas des monde qui autorisé faire demande dans non l'église là sinon qu'ils ont prêtre de paroisse capable gain des amis partenaires, des supporters ou donateurs qui nous avaient fait un don à la communauté qui a travaillé là. Laisse ça procédure en voulait que yo adressé yo au bureau de l'église qui yo fait pas de dossier à de don. Et puis, ça, l'église est capable de dire, mettre le sous nom. Le sous nom, l'église, agence maritime, là, a si aller l'église, là, bureau l'église, là, que, ou gagner un conteneur, ou gagner un marchandise, un produit quelconque. On va dire marchandise parce que nous ne pouvons pas gagner la bonne. Produit ou gagner un don. Et puis, laisse ça, l'église, là, a adressé auprès du ministère des cultes, d'affaires étrangères, pour lui dire que nous avons tel conteneur, mes spécifications, mais comment le spécifier, mais ça que lié, mais comment l'identifier, nous t'en mets que, ou t'as exonéré nous de taxes. Si toutefois que ça fait le plaisir, et puis, alors procédure, la respecter, et puis voilà. Vous avez contrôle tout le monde qui est dans l'environnement, pas qu'une personne qui a un petit comportement douteux et suspect, si vous voulez, depuis scandale ça, éclaté? Non, moi, pas en contact avec l'autre monde, sinon que nous communiquons par téléphone et nous évitons de parler avec tout le monde. Tout. C'est à partir de incident ça qui est arrivé, et ouais, nous adressons à la presse, nous adressons en fait payants et nous bike numéro nous pour monde communiquer avec nous et ça fait que nous prenons cet appel pour nous capables de faire lumière toutes les fois qu'il y a besoin d'explications et que nous devons explications à la nation. Si enquête là aboutit, il révélait effectivement que c'est pour des membres de l'église que gagnent un tiers qui a travaillé. Nous même au niveau de l'église, qui ça nous pas le fait?
nous pas gagné nos cafés, nous pas gagné en face la justice. Vis-à-vis de coupables. Vis-à-vis de coupables, potentiel ou éventuel coupable, la prépondre des acquis. Jules Saint-Édouard, qui est directeur général douane, confirmé, ZAM avec munitions mélangées ensemble avec effets personnels, yo joignent tout ça dans un conteneur qui entre en franchise dans le pays. Document ça yo, la douane gagne en possession, selon Jules Saint-Édouard, directeur général douane yo, yo longe douet, yo incriminé, yo sale l'église épiscopale d'Haïti, et c'est ça le déclaré dans le journal Matin sur Radio Métropole. Monsieur Edouard, t'es tout profité révélé, représentant importateur, et bien je vous dis à la, l'embacode. La justice a bien pour faire lumière. Sauf que au niveau de la douane, document que nous avons en main, qui fait tout parcours pour poser sur son rivière, côté rivière là, les mentions clair, que c'est pour l'église épiscopale. C'est non l'église épiscopale qui a tout document de A à Z pour arriver côté au sujet de plein conteneur après la caillou, n'était pas disposition de renforcement. Le contrôle que nous mettons depuis le rivière, le conteneur ça t'a parlé déjà. Qui ça pousse nous à un regard sur le conteneur ça, hein, précisément, DG? Mais pas forcément le conteneur ça. Son dispositif que nous prenons, et c'est des stratégies qu'a implémenté chaque jour au niveau de la douane. Qui est l'autre produit qui est dans le conteneur ça, DG? Oh, nous jouons un réfrigérateur, nous avons un tennis, nous avons un petit vêtement. C'est ça, c'est l'effet personnel. Mm-hmm. Effet personnel qui passe en franchise. Et j'ai l'autre qui vient dans l'effet personnel là, où est-ce l'effet de guerre? Nous pas fait arrestation? Oui, la police procédait avec l'arrestation représentant importateur qui était là depuis le premier jour. Il ne faut pas faire vérification en réalité sans représentant par là pour assurer qu'il y a pris ses contenus. À moins que c'est des produits qui ont précisé, vérifié ou abandonné la douane a fait appel à la justice pour que j'étais pas venu présent pour nous procéder à la vérification. Donc, tout hier, pendant toute journée, représentant ça, c'est là. La police vient avec lui, il n'a pas assisté. La WAP dit nous que ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas un hasard que nous tombons sur la raison ça. Pas dit c'est ni un hasard ni un hasard. Nous gagnons une mission de contrôle, nous prenons en charge, nous gagnons détermination, nous renforçons ce système de contrôle là. Et nous croyons que si nous gagnons 10, 15, 20 conteneurs qui gagnent des armes là-dedans, nous avons découvert tout parce qu'on a vérifié. Un petit WAP privé, tout, un petit port privé, est-ce qu'il y a un regard sur vous? La douane gagne une mission. Pour permettre que l'État entre propre, permettre qu'elle combatte contre le monde, permettre qu'elle évite les produits qui interdisent dans le pays. Tout côté sous territoire là, la douane gagne mission pour intervenir, pour être capable d'éviter les produits qui interdisent dans le pays. La douane a une limite, et c'est la loi qui bat la douane, prérogative ça, et nous croyons que nous arrangé, nous avons renforcé chaque jour pour que nous capables de répondre avec l'exigence que la loi le fait. Pendant qu'on a parlé là, est-ce qu'il y a des agents qui ont des yeux rivés sur des petits ports ou des ports privés, DG? Nous gagnons des rencontres, par exemple, je vous dis, nous avons des rencontres avec des responsables au niveau de la douane pour nous capables de mettre sous pied un ensemble de mesures que nous avons déjà élaborées. Donc, en temps et lieu, on va informer parce que déficit de communication qui existait au niveau de la douane, non, du santé a pu combler parce que nous gagnons une structure de communication. Gagner pour capable informer publiquement la presse, tout le monde, etc., de ensemble des mesures à haut. Et je pense que tout le monde a privé au courant et qu'est-ce que la loi dit lorsque un bateau pote zam ou bien balle ou un cartouche? Ça, la loi dit? La loi lui parle de ça, mais permet que nous ne fassions pas aller sous les cognés parce que nous avons fait depuis hier. Et finalement, j'ai tout ça. Le bateau pote conteneur, c'est là-dedans nous voyons faire vérification, là-dedans nous voyons les hommes, mais partout ça, c'est pas tout le territoire encore. Parce que les conteneurs viennent débarquer, ils vont aller. Donc nous avons travaillé, nous avons communiqué sous peu en termes de mesures qu'il a pris qui ont rapport avec ce qui est ça. Et qui sont-ils dit nous sur le dossier port de paix? Le dossier port de paix, comme tout le monde connaît, gagnons ce qui fait au niveau de droit de port de paix. Et c'est à l'agent de voir, même dans le cadre de contrôle, qui a fait, qui a arrivé, découvrir en termes de cargaison, et fait appel à la police et la justice. La police pour sécuriser les spatiaux et la justice pour capable finir les conflits pour mettre l'action publique en mouvement. Donc, pour nous, c'est non fini nous-mêmes, nous ne travaillons pas dans nos fêtes pour se réveiller aux fêtes ici. Hein. Donc, instance qui concerne pour recevoir ensemble des cargaisons, les services à vos fêtes, ils recevront et que la justice qui était avec les mêmes pour continuer notre travail par là pour capable finir le monde qui mérite de finir. Jules Saint-Édouard, directeur général Douanio. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, fait quoi la gué mandat d'amener, mandat pour arrêter
directeur adjoint affaires judiciaires ministère de la justice là pour affaires forfaiture comme quoi j'en ai dit monde qui pas respecter la parole qui pas gain la parole qui pas loyal pour concussion à tout fait qu'a prend l'argent en bas table association malfaiteur il reproche Fritz Obou parce qu'il t'a passé l'ordre ancien chef paquet pour deux PA maître Michelet Virgile pour libérer deux trafiquants d'armes forfaiture concussion association malfaiteur c'est chef accusation ça qui kembe contre cadre ministère de la justice là il reproche monsieur comme quoi il t'a forcé le commissaire Virgile t'a tordé pour être commissaire Virgile pour larguer deux individus qui t'a impliqué dans trafic d'armes et munitions dans nord-ouest n'a pas rappelé ancien commissaire gouvernement pour de PA Michelet Virgile actuellement la répondre à question à Jean Bureau affaires financières et économiques dans direction centrale de la police judiciaire dans cadre dossier trafic d'armes. Ministère commerce et industrie rappelé vendre gaz, acheter gaz, gazoline ou bien diesel dans bidon, dans quel que soit récipient, li interdit formellement. Donc communiquer ça pour tes dates 14 juillet 2022, côté ministère commerce menacé toute station gaz qui pas conforme à disposition ça, y a fermé immédiatement jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant, je dis à là problème non. Problème gazal, pourquoi qu'à résoudre? Porte en pile pompe, rete fermé. Jeudi vendredi 15 juillet. Richie, bonsoir. Bonsoir, Rivers. Bonsoir, tout le monde. Ça qui plus attire attention monde pendant le dernier jour, ça ou là, c'est le fait que pompe yo pat l'ouvri porte yo du tout, mais crise gazlan, li la depuis plusieurs semaines déjà. Et côté que li difficile en pile pour moun réussi acheter gaz pour fonctionner. Sinon que ces sous-machins formels là sont toujours disponibles et à des prix qui élevés et qui variaient chaque jour plus. Eh bien, comme gagné dans un tweet, Terminal Vareux est fait, et sous compte Twitter officiel, il a annoncé que gagné 41 camions citernes qui étaient censés remplis et qui tape qui tape censé disponible pour alimenter et pompe dans la capitale là. Ça qui pas possible et suivant ça toute propriétaire te dit à cause de guerre gangyo eh bien nous t'es dans la cité soleil certainement eh bien nous t'es Alphon Vireron pour nous dans diverses pompes que ce soit sur Delma ou bien Pétionville et comment ça y est-ce que pompio yo recevoir gaz ça qui quitte terminal là. Eh bien nous gagnons un paquet de pompes qui toujours est fermé Rivers. Nous avons plusieurs qui ne peuvent pas l'ouvrir du tout, mais deux, trois, ça qui ouvrent, c'est complètement difficile pour les gens qui ont réussi à provisionner parce que il y a un pile de machines, un pile de motocyclettes, un pile de gens à bidon à main qui viennent faire gaz. Eh bien, nous connaissons à chaque fois, nous avons une période difficile comme ça, et tout le monde a tendance à essayer de faire gaz là ensemble. Ça qui est difficile et qui est fait même si on monde est dans l'espace là, qui n'a pas réussi à faire gaz là. D'ailleurs, nous jouons un chauffeur qui dit nous ça, qui dit nous depuis hier, il a goûté pour essayer de faire gaz, mais coule rivé devant côté pompe islan hier. Et pour le temps, ouais, si là j'ai un anti-gaz, eh bien, l'idée au fermé pour plein. Ça qui vient faire que automatiquement, l'y aller sans gaz là, quoique, l'y te font pas qu'être temps et n'en pompe là. Tout comme, je dis à là encore, nous jouons des chauffeurs qui dit yo là, depuis, en fait, yo te venu hier, yo pas de jouen, mais je dis à yo vina encore. Donc, c'est des chauffeurs qui prennent chance. Pompe là pas écrit, en qu'un annonce pour dire la baye gaz matin. Ok, gen des séries de pompes. Mais tant que j'en dis là, qui gon bonne machine avec motocyclette qui aligne là-dedans, mais qui pas bay pompe, qui pas bay gaz, qui pas bay gaz, mais qui a des séries de pompes et qui te commencé bay dans le moment de passer. Mais pendant, Richie, pendant y a bay là,
a fait galon ça so, ouais. Eh bien nous sommes souligné ça, nous joignons motocyclette, nous joignons moun qui sous machine tout comme nous joignons moun à galon nan meyo qui vient faire gaz là. Alors malgré communiqué ministère la ministère commerce oui, ministère commerce sorti communiqué hein. D'ailleurs à chaque fois que crise gaz là arrive nan niveau ça toujours communiqué ça qui sorti. Et date là a changé. Nous songe en août 2021 commissaire gouvernement et Port-au-Prince là, ça c'était Bedford Claude qui était sorti en communiqué pareil. Qui a commencé à promasser gaz dans gaz. Oui, oui, et qui était même bail et policier autorisation pour arrêter moun qui contraint et décision ça qui pas appliquer décision communiqué à li et a fait gaz dans yo et nous pas remarqué et pendant et visite nous fait dans plusieurs pompes que il y a des pompes ou bien des responsables qui prennent mesure pour baï moun gaz nan galon tout comme nous pas remarqué gen des moun qui là pour empêcher ça tout et d'ailleurs gon chauffeur qui même plein ça qui dit et c'est parce que en pile fois gen des pompes qui préférer prioriser moun qui vini avec récipient sa yo, ça c'est un élément qui fait que yo pas jamais capable joindre gaz là pour fonctionner. Oui parce que les moun nan vini nan galon yo di li glisson bay nan men pompis là. Bon, li pas dit non ça, mais li dit c'est parce que yo prioriser yo qui fait que yo pas ka faire gaz là facilement. Gen des chauffeurs tout qui dit dernier moment ça là c'est difficile pour yo en pile parce que yo était obligé à acheter gaz et sous machine informelle pour fonctionner et des fois on dit qu'on ne pas même river faire cop gaz là et parce que même si on monte prix machine on pas qu'à monter non niveau qui exagéré bien que en pile là qu'on se double nous et doublé si bien que gagne des passagers qui pas jamais pas plein pour phénomène si là et gagne des monto rivers qui dit et problème ça li pa jam résoudre si toutefois pa gen des mesures qui prend pour contrecarrer et phénomène insécurité parce que responsable yo lié et question rareté gaz là avec problème insécurité qui gagne et notamment et cité soleil. Merci Richie. Merci Rivers. Jodi à la nan sud de pays a gagné diverses manifestations, plusieurs manifestations qui réalisées en partie de la population était dans la rue, il a protesté pour ça fait la vie chien insécurité mais surtout cause gaz. Richard Augustin, bonsoir. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde, c'est 4h. Nous avons appelé Richard Augustin, c'est correspondant Radio Métropole, au CAI, jeudi à la, on bâtit dans la population, hein, t'es sous pied, mauvais, bien mauvais, Richard, a réclamé qui ça? Ok, il faut que nous disions Rivers, on bâtit dans la population, hein, t'es mauvais, je dis à Koukoun, mais son journée qui déroulait sous plusieurs fonds de manifestation. Je vais prendre étape par étape pour nous essayer de comprendre ça. Une grande manifestation qui fait matin, c'est pour. Même qui était abri provisoire, qui était monde qui n'a abri provisoire, yo même y a demandé pour OIM pour femme qui était bas au 4 depuis le 11 mois pour dire un mot avec yo. Ensuite y a demandé tout puis lever en bas. Par exemple, il y a monde qui sorti dans la gon dans zone Saint-Louis. Monde qui sorti dans côté quel parco, monde qui sorti dans zone Folie-Lettre, monde qui sorti derrière fort, donc c'était ensemble monde ça yo qui était dans la rue, y a ce beau dispositif de sécurité pour demander autorité dans l'État, et puis OIM et PAM fait un petit choix pour eux parce que ça fait 11 mois et puis ils n'ont même pas gagné aucun monde qui j'aime ou dans le livre là. Bon, deuxième manifestation qui fait au CAI, c'est pour demander le ministère intérieur avec le directeur général de la protection civile, n'est pas de Jerry Chandler, pour y retourner sur décision de prendre pour transférer Sylvia Guillaume ainsi trois autres directeurs de la protection civile qui n'a géré, qui n'a grandance et qui n'a NIP, ainsi que deux autres, disons. Donc, c'est directeur dans NIP, directeur dans Sud, directeur dans grandance, direction générale de la protection civile, qui a pris une décision de transférer Mounsayo dans le ministère intérieur comme chargé de mission. Manifestant, il a dit qu'il n'y a pas d'accord pour directeur départemental Sud-là, de Sylvia Guillaume, fait ou pas quitter en Panago, parce que ça, il a dit que l'agent est. La reconstruction semble être rentrée dans le sud. Donc, comme le Port-au-Prince n'a pas recommandé de manger l'argent, il est obligé de retirer la protection civile là. Parce que là, il n'y a pas de casser les bagages avec l'argent. Donc, il est obligé d'entrer eux-mêmes et de manger l'argent. Ça, c'est parole. En plus, le manifestant a dit que Sylvia va faire un parti en Panago. Donc, il y a même fort que ouais, côté l'argent, la reconstruction a passé.
yo pas quitté pour protection civile au niveau de Port-au-Prince, vin manger l'argent dans le sud, même gens yo fait en 2010 pour que population ne pas en rien fait avec l'argent. Si toutefois vrai l'argent t'a tombé pour reconstruire directement sur l'argent, ça te revoit dans le jour que c'est passé ou là. Bon, troisième manifestation qui fait dans la ville locale, c'est Famille Lavalas qui organise la manifestation. C'est dans le cadre de 69e anniversaire Jean-Baptiste Aristide, ancien président républicain. Donc, il y a même eu porté soutien à Jean-Baptiste Aristide et mandé lui pour le placer son mot dans la question insécurité lui-même, cap valétérien. Et il dit au même, il porté un peu de support. Manifestation, ça a déroulé sur le dispositif de sécurité de la police et qui fait en pile zone dans la ville au Caï. Quand il y a une manifestation qui fait là, mais c'est une manifestation qui pose un pile problème parce que ces chauffeurs moto, qui au même, sont mouvement spontané net, qui ont pris une décision, prennent la rue, bloquer la rue, pour dire, question de gaz, 2250 gouttes là, question galon gaz, 1250 gouttes là, ils n'ont pas là-dedans du tout. Donc, ils ont demandé pour les Haïtiens, faire tout ça possible pour retourner gaz à Jean Tilly auparavant. Et lui demander de faire confiance, bail gaz là, parce que majorité gaz gagnant, c'est atelier. Or, moun sa yo, yo pa faire une porte de tenant ville à chez gaz là. Je demande pour directeur pompier, pour propriétaire pompier, faire cool qu'on ait, puis au bail pour la population, gaz là. Si toutefois ça va arriver, je vais me dire, continuez bloqué. Faut me dire que, boulevard 4 chemins, sorti 10 heures pour t'arriver jusqu'à 2-3 heures là, c'était impraticable parce qu'on va t'assécurer là-dedans. Je t'ai mis barricades sur tous les côtés sur le boulevard là, dans zone 3-4 chemins, dans zone Fonsante et dans zone La Fama pour montrer nos cailles. Et c'est des barbelés, des lignes barbelées que monsieur même, je t'ai mis pour être capable de bloquer l'arrière pour empêcher le monde de passer. Et d'un côté, tout à coup, sous Fonsante là, les machines ou motos privées, monsieur, tu vas tirer roche derrière Mounio pour t'empêcher eux même de vivre sur barricade. Pas grand qu'un moment, quatre manifestations, ça a été contre ensemble, Richel? Alors, il faut que nous ayons deux manifestations qui nous contre ensemble. C'est ça qui vous avec les questions civiles là, ça qui vous demande pour Sylvie Arité avec l'autre pour avoir vos visuels, parce que nous avons même pour des grands comptes qui sont sur boulevard, sur quatre chemins, hein, même quoi, quatre chemins même. C'est là que deux manifestations sont sorties. Même pour deux manifestations, nous avons plusieurs têtes. Il y a des têtes aussi en bas la ville, il y a des têtes aussi sous zone de Mapoua et qui te voient le contrer ensemble, puis tu es capable pour délivrer. Message. Donc, nous sommes capables de dire manifestation, yo, malgré tout, malgré que y quelques coups de roche qui voyaient, mais ils ont passé la police par une arrestation, personne n'a pas été victime. Personne n'a pas été victime, la police n'a fait aucune arrestation. D'ailleurs, nous sommes suivis, nous sommes sur place, nous avons gagné deux patrouilles BLTS qui sont arrivées, les rivières où j'ai rebroussé le chemin, et elles passaient de l'autre côté, donc ils n'ont pas voulu entrer du tout en affrontement avec monsieur, dame. Taxi qui ont même été bloqués dans un procès. Et gagné tout, gagné côté, par exemple, dans 4 chemins, les machines de DSA viennent, les machines de DSA viennent, ils ont ouvert, par les DSA passés, et puis après, ils ont fermé DL. Ou qu'a été sous goût, mais matin? Matin, quand dit que le chemin taxi, tout le monde était sous brésil, et surtout, bon, Paul y a parlé, il a dit, bon animateur, alors, bon journaliste, en Port-au-Prince, qui a dit que mon local s'est lâche, donc, mais à partir de dia, il a pris une décision, puis il a montré, n'est pas de prince, il n'a pas qu'à faire. Tout ça est ouvert avec mon local. Donc, si il y a parti qui lâche, mais eux-mêmes, ils ne lâchent pas, ils prennent décision à partir de jeudi. D'abord, ça veut dire, si toutefois l'État haïtien n'a pas dit au moins, avec gaz, qu'à monter tête nègre là, eux-mêmes tout, ils ont monté l'État qui s'est capable de faire. Merci, Richel. Ça, c'est la Raweli. N'a pas continué avec l'information. Nous allons aller au Cap haïtien. Au Cap haïtien, côté, par exemple, Guyen, population qui te prend la retour, a manifesté, surtout pour les affaires gaz là. Delima, bonsoir. Bonsoir, Gilbert. Bonsoir, tout petit avec qui a modifié radio, télé, métropole. Comment la situation t'est passée au Cap jeudi? Eh bien, depuis hier soir, Gilbert était environ depuis 7 heures dans ce qu'il était capable d'entendre dans plusieurs quartiers périphériques. Dans la ville Cap-Haïtien, il y a en tous les cartouches qui t'ont tiré. C'était une annonce par rapport avec les journées de mobilisation qui est plusieurs et associations des chauffeurs des motos et puis plusieurs organisations populaires qui lancent et jeudi à un mouvement mobilisation pour être capable de protester contre la crise des carburants qui persistait à travers deuxième ville pays en situation qui vient de se passer un an depuis la persisté et bien vous êtes capable de remarquer depuis et matin Rivesse ville et Cap-Haïtien toute activité où c'est presque et paralysé surtout dans deux entrées
principale ville là, on a parlé des entrées sud et puis entrées est et ville Cap-Haïtien, en rien pas fonctionner en termes d'activité, que ce soit public, que ce soit et privé. Et jusqu'à présent, on a parlé de la situation, elle est très tendue dans deux entrées et principales villes là, côté Guéen, Wash et Kavoué, et puis Kaoutchou, Kaboulé, et malheureusement, dans le cadre et journée, mobilisation, ça a gagné un jeune garçon, 26 ans, qui est et Daslin, et alors Maslin, et Dosné, qui est arrivé et perdu, et la ville, c'est dans le moment, t'es gagné Wash et Bouteille, qui t'a voué, et c'est l'information qui est disponible, t'as assemblé, et Maslin, Dosné, t'as va tombé en bas, et bah, la police, dans la zone, Konasa, non, entre, et c'est ville Cap-Haïtien. Merci Delima. Merci Rives, Kendela. Direction Radio Télémétropole a rappelé tout auditeur, fidèle auditeur, depuis environ deux jours là, en programmation, tout neuf, nous t'es adopté comme quoi nous travaillons moins, mais je ne vous dis à là, dans une minute côté n'a pas les là, eh ben, nous dit auditeur, nous finissons avec cause programmation spéciale ça, pas une programmation spéciale du tout encore, nous recommençons à fonctionner normalement, comme à l'ordinaire, les gens s'étaient habitués, fait avant, c'est à cause d'amélioration dans la distribution gaz là, qui fait Radio Métropole reprendre programmation normale depuis jeudi. Dernier rappel, la principale information qui tape domine l'actualité. Président comité permanent de l'église épiscopale d'Haïti a affirmé document qui t'a voulu faire quoi l'église là n'a fait zam entrer dans le pays. Document ça est faux. Père Viljean Madoché rappelé, il n'a pas placé aucune commande dernier temps ça est de façon officielle. Directeur général douanier Julesen Edouard lui-même a confirmé yo découvri zam munitions mélangées avec affaires personnelles et faits personnels dans un conteneur qui entrait en franchise et documents yo sous nom l'église épiscopale d'Haïti. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, l'a mandat d'amener derrière directeur adjoint affaires judiciaires ministère de la Justice pour forfaitie, concussion, monde qui n'a pas l'argent en battable. Association malfaite Fritz Obo t'a passé ancien chef paquet Podpea Michel Virgile Lode pour libérer des trafics en ZAM. Problème gazlan pour qu'on résoudre. Plusieurs pompes ont été fermées. Une autre fois encore, jeudi, vendredi 15 juillet 2022. C'est toujours un bas gros gourmet pour que quelqu'un arrive à faire des gouttes de gaz dans quelques pompes qui recommencent à fonctionner. Ministère commerce et industrie pendant ce temps rappelé li formellement interdit pour vendre pour acheter gaz dans bidon non communiqué qui pote date 14 juillet 2022 ministère a menacé fermer toutes les stations gaz qui pas respecté disposition ça. Et puis, journée intention dans la ville Okaï, jeudi, vendredi 15 juillet, à côté, dans le cadre de plusieurs manifestations, population a exigé pour gagner gaz dans Pompio, pour la vie chère à baisser, pour problème insécurité à Kaba. Monsieur, dames, merci pour l'attention qui a été accordée à la dernière sortie d'informations pour semaine dans ce métropole. Monde qui t'a présenté au journal là après-midi, ben à Vincent sous console, Rivers Adjunac dans le microphone. Prochain rendez-vous, nouvelle soumise au vol, c'est près à 6h avec Marvin Pierre, Marie-Danis Milien. Avant 6h, Yvonne Balkito avec RSF pour dernière sortie studio 100.1 pour bien aider à entrer dans le week-end. Jeudi, c'est vendredi, grâce à Dieu, le week-end arrivé. Pendant le week-end, moi, avant, nous allons faire un effort pour nous prendre chemin à l'église. Bonsoir tout le monde. Bon week-end. Nawe lundi soir, si Dieu veut, même heure, même fréquence. Métropole, 100.1 FM stéréo.